Ok. New game. C'est bizarre qui m'a mis déjà un chapitre 1. Quelqu'un a joué à ma place? C'est trop bizarre ça. C'est la première fois que je joue ça. J'ai jamais joué. Bread. Chapter 1. Oh, look at those lovely cheeks and those eyes. I was created to experience all of life's joys. Ingrid, be a dear and go visit your granny and bring her some fresh bread. She'll be so happy to see you. Fine. Give it here. There better be pancakes on the table when I get back. Of course, my dear. And do spend some time with your granny. Have a chat. She's so lonely. Yeah, yeah. I'll stick around and chat. C'est Sophie des malheurs de Sophie ou quoi là? J'ai énervé. Ça fait le petit pas de chapeau rouge le début là déjà. Ça commence bien. Alors qu'on est la patte graphique. Alors attendez. Apparemment il a repéré que je jouais. Hop, on a sorti. Ah non? Ou je ne peux qu'avancer. Ah c'est possible ça par contre. Ça c'est possible. Avançons dans ce bois lugubre. Bon, pour l'instant, il n'est pas si lugubre que ça. Je pense que ça va augmenter l'intensité. Non, jump. Ah. What a gross puddle. I don't want to stain my new shoes in that dirt. Ah, il veut utiliser le pain pour marcher dessus. D'accord. Green Penance. Ah bah c'était rapide le chapitre 1. Après ça doit pas être découpé de la même manière que les deux premiers. C'est un piège à sorcière là. Enfin gentil. There goes being neat and tidy. I wanted to keep my shoes clean, and now my clothes are all ruined. Ok. C'est rigolo ça. Are you gonna boil that? Quoi, tu veux quoi? Ah merde, on fait ça. I want to go home this instant. Come here, sweetie. You'll make. Wonderful statuette, just to give my grandson as a gift. Non. Ah, menace, hein. Take me home now. Hey, swamp monster, where's the exit? What's with the yelling? If you ended up here, that means you're getting eaten. Ah, c'est les mêmes... Ok. C'est comme le 2. C'est le même gameplay. What a greedy creature. There's no tearing it away from that bow. Looks like my duck strudel. But I used rose.
Miranda one. Ah, j'aurais pas un truc. There's no tearing it away from that bow, just like my duck's trudel. Alors attends, faut le. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut faire. On peut augmenter les flammes, ça. Est-ce qu'on peut tourner là-haut? Attends, j'essaie de voir. Ok, l'inventaire est là. Ils ont changé le système d'inventaire? Il n'y a pas eu. Donc, j'ai eu la valve. Du coup, je vais pouvoir faire tourner la roue, sûrement. On va voir. C'est quoi ça? Voyons un petit peu ce qu'il y a en stock. Ah, c'est une mandragore, ça. Ça va rigoler, ça. Si elle la casse. Ah, le vert, c'est pas le vert des saloperies du papillon, là. Alors, du coup, la... si c'est dans le même univers que les deux premiers, on va avoir une évolution différente. Oh merde! Ah! Du coup, on peut ramasser sa bouffe. Drop tech. Ah bon? Je le prends. Pourquoi je le prendrais pas? Ok. Donc il y a des choix. C'est le livre dont vous êtes le héros. Nouveau ça. Il doit y avoir peut-être une question de moralité aussi, parce qu'elle a l'air insupportable dès le début. C'est possible. Ah, il n'y a plus rien à choper là. Ok, bon, apparemment on peut plus interagir avec ça. Ah, elle est occupée avec ça. Un petit peu. Ah, il y a des corbes. Celle-là. Ok. Celle-là. C'est un ascenseur en fait, le truc. Ouais, il peut pas aller plus loin. Mais. Un truc pour qu'il libère ses... Bon, après, je peux passer sous lui, logiquement. Non. C'est pas ça l'intérêt? Alors, j'avoue que j'ai pas très bien compris, là. Ah, ok, j'ai l'impression qu'il resserre ses pattes, ou il les desserre. Selon le... Là, par exemple, on pourrait rentrer. Ok, d'accord. Et si je donne ça? Go over and feed it. Toss the chicken leg.
Ah. Non, on va lui donner. Pas lui donner pas. Tiens. Ouais, il est satisfait quoi. On va pas faire trop les fous là. Elle est venue avec moi? Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Waterfall. Il y a des choix, mais je sais pas si c'est des vrais choix. Je pense que oui. Mais est-ce que c'est des game over? C'est ça, surtout que je me pose la question si je fais les mauvais choix. Bienvenue en enfer. Hey, newbie! Wanna play? Play what? A funny game! And if you win, you get to go back home! And if I don't? Nate Gregor is lost. Although I personally never liked him from the start. Maybe that's why. So who even are you? I don't have a name. I'm Moloch, just like all my brothers. Are there a lot of you? Plenty, but I am the only one who likes to play. So, does this game of yours have any kind of rules? The rules are simple. Act as you see fit. And who decides who wins? Not me, that's for sure. Don't be scared. You'll get the hang of things as you go. It's not like you have a choice anyway. Creepy. You're not a very friendly bunch here, are you? And you're no angel yourself, Ingrid. Otherwise, you wouldn't have ended up here. What? You wanna go home already? Hmm. Bah, ça c'est fait. Of course I do. This place is creepy, and it totally reeks. You see that waterfall? That's a portal to your world behind it. You can go anytime you like. And that's it? Sounds easy peasy. It couldn't be simpler. Give it a go. Bizarrement, j'y crois pas trop. Ah, elle y va, naturellement. Nice and hot, right? I guess you're a fool of bile. Check it out. The waterfall marks you up. Hey. What are these numbers? Your sins are on the left, and your good deeds are on the right. Okay. And what am I meant to do with this? Ah, intéressant. Just be yourself. Faut réussir à avoir un équilibre. C'est intéressant. J'ai l'impression que ce qui est important, c'est l'équilibre, non? Change pas trop, hein. 3? Je suis pas confiant, là. 4? 2? Pourquoi? Attends, il y a une ruse. Ah, est-ce que c'est parce que c'est un de mes chiffres? Si c'est 2. Première énigme du jeu. Hein. Vraie énigme, on va dire. Est-ce qu'il faut que j'attende que le 2 y passe? Je crois que ce soit une question de timer. Hop. 5. Ça, faut les faire dans l'ordre. 6.
pense qu'il faut les faire en ordre. Ah, peut-être pas. Merde. Bon, faut trouver le bon chemin, quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec mes mains et tout ça, c'est ce qu'il faut faire, les filles, normalement. Il fallait revenir au premier 6, peut-être. En arrière. Ça commence à des dégueulasseries, là. Rien en arrière au 6. 6. Non, non, je vais pas aller. Ah merde, je vais pas aller. J'ai perdu déjà, je pense. Ah non. Pourquoi? Attends, j'ai pas compris. Est-ce que c'est parce que j'ai pas le droit d'avancer? Ah, attendez, il y a un truc en bas. Attendez. C'est quoi le symbole en bas, là? 2. Si 2 est inférieur à 6... Attends. Je sais pas ce que ça veut dire, l'énigme en bas, là. Ça y est, schnifute. Donc, on tombe. 2 ne fait pas forcément tomber, donc c'est pas ça. Pour l'instant, j'ai pas l'astuce, en effet. Mais c'est la pierre tombale qui donne l'astuce. Parce qu'on voit... si tu tombes, 2... Il y a 2 dessous. Alors, je sais pas si c'est 2 dalles ou le chiffre 2. Ah. Attendez, je vais essayer de comprendre par moi-même. 3, 4... C'est s'il y a plus de 2 entre... Pourtant j'ai fait un 5, où j'étais revenu vers 2, non, un truc comme ça. Passerait pour un gros nul, c'est à tort. Donc, par exemple, 5, 6... Est-ce que j'ai pas le droit... D'aller deux fois vers le les chiffres mineurs, c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire un chiffre inférieur au chiffre que je viens de toucher. Ce qui est bizarre, c'est que là, tout de suite, je tombe, par exemple. Donc là, je vais... une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Une fois vers l'avant. Une fois vers l'avant. Le 5 il était bon, non? Je crois que le 2 en arrière il était bon, mais je sais pas pourquoi. En fait. Passing time. Non, c'est pas con. Ah, mais l'instruction elle est pas claire du tout. Après, je peux le faire par cœur, hein, mais ça m'embête de pas avoir compris. J'ai pas compris l'énigme. Bah j'ai rien compris. J'ai juste fait l'énigme.
Ouais, bah je l'ai fait, quoi. Bah, à un moment donné, il me propose de le refaire. Avancer sur des grands nombres, reculer. Ah, c'était pas clair. Enfin, pas clair par rapport à la tombe. La tombe, elle était dégueulasse, hein, parce que c'était censé être une instruction. What the hell is going on here? Pas les oignons? Ah, c'est de l'ail. Non, je crois pas que ce soit du quai des corps, justement. Je pense que c'était une instruction. Bah, il y avait quand même un chiffre inférieur à... Ouais, c'est un truc comme ça, avancer sur du plus grand. J'ai l'impression que c'était ça que ça décrivait. Qu'est-ce que c'est que ça? L'impression qu'on puisse y aller direct. C'était par là. Ah, je descends. Oh, there's a hole here. There must be another way. Ah. Et surtout de l'acide, j'ai l'impression qu'on est à l'intérieur d'un... À l'intérieur d'un être vivant. The elevator's in the way. I can't jump. Ah, vous voulez jump? Looks like the central gear is missing here. Gonna believe me when I tell them what happened. Donc là on a le levier en théorie. Non. Qui passe, comme ça on va sauter. The elevator's... Ah, un gire. Petit coup dans le foie là, ou je sais pas ce que c'est. Gross. Bien sûr que tu le prends. Disgusting, but who knows? Bah bien sûr, who knows. Alors du coup, est-ce que ce choix... Non, ça a pas influencé mon... En fait, elle a fait plein de sales coups avant que je commence le jeu. Du coup, elle avait direct 6 en bas de salle. Mais j'ai essayé juste d'équilibrer en fait. Parce que je viens de remonter, mais en tout cas, hop, tu me donnes l'objet, merci. Alors, je sais pas si ça l'a rendu malade ou si elle est, si ça l'a, ouais. Si ça lui a suffi. Tu récupères quoi? Le levier. Ah, du coup ça a été remonté. Ok. Ça, par contre, l'acide, je suis pas sûr. Ah. Alors, on a le levier, on a la moitié d'un gear. What the hell is going on here? Je vais essayer d'utiliser le levier. Non?
Ah non, attendez, pas mon. Hop. D'accord, ok, c'est pour passer d'un gir à l'autre, ok. Et si je lui mets ça. Non, faut que je trouve l'autre moitié. C'est what the fuck déjà. Fantastic. They installed the elevator solely for the sake of a continuous feeding cycle. Faut attendre qu'il dorme. Non, qu'il se retourne plutôt. D'accord. Fantastic. Ce serait pourquoi? Pour projeter ça? Looks like the center. Putain, le couteau il sert à tout hein, dans le jeu. Ah non. C'est stable le truc. Où il pourrait être le deuxième géant? Est-ce qu'on a eu un déco? Merde, je voulais pas. Ah si, le deuxième gir, il est là. Le truc, c'est que. Sinon, je lui donne le garlic là. Je sais pas essayer. Est-ce qu'il va aimer l'ail? C'est pas sûr. I don't think a broken gear will. Looks like the central gear. Looks like the. Ah, où je donne des os aux deux derniers là, qui étaient en bas, peut-être. Ah, il y a d'autres. Non, c'est la même chose. Fantastic. Fantastic. Est-ce qu'il faut que je continue de mettre des petits os pour les broyer? Fantastic. Ah, ça a marché cette fois-ci. Ah, ça peut pas durer si je le fais pas en même temps, je pense. Ok. Ouais, du coup, il agit plus son estomac. Il est bloqué.
Hop, on va le dire. Let's go. Alors, est-ce qu'elle le fait toute seule ou faut faire comme... Non, faut faire une association. Comment on fait? Mais non, mais comment on fait association dans le jeu? Ils ne m'ont pas expliqué. Moving. Ouais, action. Pourtant, c'est assez clair. On peut pas regarder l'inventaire. Parce que dans le deuxième jeu, c'était en mode... Ah, faut peut-être un truc pour les fusionner. Genre le feu, en bas. Peut-être. Non. Je peux pas interagir avec le feu. Espèce de monstre là? Est-ce qu'il a le même estomac? Est-ce qu'il peut me fusionner Merde, non, 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 non. Perdu. Putain, c'est dégueu. Aïe, je peux vraiment rien faire. Hein. L'interaction. Ah, si. Ah, raté. Non, je crois que ça sert à rien. Attends, peut-être que la Garlic. C'est maintenant. Oh, elle a pas aimé. Attends, on va chercher une deuxième Garlic. Elle a pas aimé l'ail, hein. Oui, il faut que je trouve un moyen de fusionner. Fusionner. C'était parti du dire. Robert Gir. Tout. Alors. Quoi? Ah, il y a un truc à choper? J'ai même pas vu. Aïe! Exchange of pleasantries. Ok. Troisième, on peut peut-être pas le tuer. Du coup, on a un croc, c'est ça? Hollow Horn. What? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là où je suis perplexe. Où j'ai besoin de cette corne pour ouvrir ça avant en premier. Interagir, d'accord, ok. Ça, on peut plus interagir qu'on a déjà fait le... les énigmes. Ok, donc déjà au moins ça me dit, bon, pas besoin de revenir là, ce qui est déjà sympa. J'avoue que soit j'ai un objet qui me manque que j'ai pas vu, que j'ai pas compris. Ew!
the hell is... Est-ce qu'il faut la remplir la corne de quelque chose? Je sais pas de quoi. Il faut balancer ça sur la troisième créature, la cime. Ah, ou ouais, je sais pas trop. Ça permet pas de souder ça. Tiens, dans ta gueule. Just clogged with food waste and oozing. Ah, de la colle, ça collait. Ok. Et eh ben, let's go. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah oui, cette fois là, ça a repoussé là, le morceau que j'ai découpé dedans. Régénération éclair quand même. Hop, slack, la technologie, c'est comme ça que ça marche la technologie. Oula, ça lui a pas donné une... Ah oui, c'est pas de la viande, est-ce qu'il va faire une indigestion? Il a créé une bombe explosive. Avec l'ail dedans, c'est ça? Que ça compte comme une mauvaise action d'avoir résolu cette ce tableau. Ouh. Il y a un petit roux là. Je sais pas ce que ça fait. Que ça m'a libéré un chemin. Ah, ça a dû dégager peut-être en bas. Mais je sais pas de quel côté. Là, je pense. Sûrement. Ouais. Wow! Ah, c'est marrant, ça n'a rien à voir avec le 2. Et le premier. Ils ont vraiment découpé ça en tableau directement. Staying for dinner? Ugh, what dinner? I won't be able to stand the sight of meat for the next week. What's the week without meat compared to an eternity in hell? Have you seen my worker bee brothers? Yeah, I saw them. Why are their mouths so shut? Did they drone on too much like you? You're witty, like you. Perhaps you'll even get out of here. Ouais, qu'on a une espèce d'enfer. Oh, je vais répondre de manière rude. J'en ai la foutre de lui. I will get out, and I don't need your help. Voilà. Here's a word of advice for you. Don't let anyone around here see you. Especially not Auntie Toothache. This place is full of life. Well, death, to be more precise. And you'll only be a nonsense to the locals, getting in the way and showering them with your questions.
that mothers never went easy on kids. If he sees a child, he immediately turns them into stone and c'est puts Gorgon. Them in his yard as a decoration. And c'est la Gorgone, en gros. Plenty of others have started c'est l'Odyssée d'Homère, je le reconnais. Il se mange le pied. Allez, hop. Hey, why did you decide to wake the owls, huh? Who? I was just walking by. Yeah, yeah. It's not like there's any other road anyway. Exactly. And you're doing nothing but distracting me. Well, perhaps I wanted to help. If you want to help, then tell me something useful, or don't say anything. Keep in mind that owls like children, but in their own way. They ah oui. Hang up dream catchers. Excellent. And c'est dans la dans le folklore du jeu, ça. What's this? Another part of your dumb game? Be nice to Molex, and they'll be nice to you, huh? In this, as you put it, dump game, you can wash away your sins, but only few succeed. Mommy, I'm sorry. I behaved terribly and never appreciated how you cared for me. Wow, already repenting, are we? That's good, but words mean nothing if you don't back them up with actions. Quit your sobbing. Maybe you'll get back. I heard one boy managed to escape. Mm-hmm. Ouais. C'était le... C'était 6. Okay. C'était le boy du deuxième épisode. My cousin managed somehow, although I haven't seen him since. Mais you? The owls don't let outsiders in, and their tree is impregnable. It's a dead end. Si j'ai ok, j'ai plus l'outil. Je suis quand même parti par un sphincter. Ah! On peut ramasser des choses? Ça sert à rien? Ok. Bah, je vais le faire quand même. Infiltration. Là, tu me suis, dégage. Hé, petit au revoir. Salut. Tui. Ça, je connais. Ouais. Ah, des fers ou des trucs comme ça, génial. Putain, j'ai cru voir une des plantes avoir... Ah non. Ok, je croyais qu'elle avait un couteau ou un truc comme ça dans la main, mais c'est dans ses illusions d'optique. Est-ce qu'il faut la mettre ici, la sphère? Non, you can't get the orb in here. Ok. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Ah! Ok. Intéressant.
C'est un symbole de rose. Enfin, c'est pas vraiment des roses, mais ça ressemble à des roses. Eh bien. En même temps, il s'est débarrassé des plumes, je sais pas ce qu'il y a avant lui, non. Attends, faut trouver une autre solution. Tenter des trucs. Ah, peut-être qu'il faut que je la mette. Attends. Là ? Oui, j'ai pas essayé. Alors. Ça fait avancer un certain nombre. Ok, non, je vais la ramasser. Comment je la ramasse? Ah, ou faut que j'aille dessus? Peut-être. Faut que je l'éclaire. Ok. Pourquoi pas? Ah, c'est la fabrique de Dreamcatcher. Pourquoi on n'est pas qui me remarque, à mon avis? De passer derrière lui. Ah merde! J'essaie de passer derrière lui. Ah putain, et carrément, il m'a agressé quoi. Saloperie. Les hiboux, vous avez changé. C'est plus accueillant dans le dos. Ah, on peut s'arrêter à mi-distance. Ok. Je vais attendre qu'il s'accuse de son jardin. J'attends le cycle. Parce que je sais pas s'il vient. Ah, il y a pas ce que. Dusty. Merde. Bah voilà. Il a mis du temps à m'attraper, hein. Attention, j'arrive. Est-ce que je l'ai gardé? Oui. Est-ce que je le brise sur sa tête? Ah non, d'accord, ok. J'ai même pas vu que c'est ça. La peinture. Ah, ok. Ah, il l'a fini. Il l'envoie. Rester caché en attendant. Je vais attendre mon heure. Ouais, c'est beaucoup plus détaillé encore hein, que les deux premiers. C'est pas mal. Ah merde, j'ai essayé. Ah. Eh, il a pas compris. Excellent. Ah, est-ce que je peux faire ça? Je vois pas l'intérêt, mais. Peut-être qu'ils s'engueulent les deux là. Ah, je suis arrivé de l'autre côté. Oui. Il s'est figé? Ah non, il l'engueule. Et c'est quoi cette merde? Tu fous le moi? Ah. Attendez, il se passe quelque chose. What are we meant to talk about? On va voir ce qui se passe là. On a écarté l'île là ou du coup? Who in the right mind would climb up into an owl's claw? Il va pas y aller. Il va se battre. Ah non, c'est bon. Dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en plus, c'est vraiment genre, ils se disputent quoi. C'est vrai, ils disputent. C'est rigolo. Et hop, je vous balance un pouce sur la gueule là. Ah non, je sais pas. Ah si, la pierre. BAM! Wouah! Le décès!
Ah, le décès en plus, vraiment. Waouh, la criminelle de guerre. Attends, du coup, là, j'ai regardé, hein. Ouais, je suis à 9 saloperies. Mais d'accord. Bah, vaut mieux que je fasse des bonnes actions quand même pour équilibrer, parce que sinon... Je me demande... Je vais essayer de faire la run équilibrée. Et sinon, j'aurais fait full mauvaise action. Attends. Elle veut pas, du coup, on va aller directement... chercher ce que je veux. That owl had it coming. Ok, on peut se filer derrière. D'accord, ok. Hey, are you all dressed up? Limité. Lol. You've already forgotten? We play together. That must be Cousin Amusing himself. That slacker. I see. So what are you doing here? He lost you back there. I'm looking for treasure. How's that working out? I found something. Now all that's left is to find the exit. I don't suppose you know where it is? I was meaning to ask you the same thing. Knock me down with a feather. Those owls are such bore. They cage you up in their tree, and you roam around hungry, sleep deprived, and what are they about? Yeah, they're kind of weird. Anyway, what was that about treasure? Little girls have no business knowing that. Then have fun with that jar of yours. Ok. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la deuxième boule, c'est ça que je me demandais. Pour générer sûrement une autre entrée en fait. C'est au hasard ou... Intéressant. Du coup, il y a 6 pièces à choper. Enfin, à visiter. Ah, j'ai vu une belle faucille là-haut. Là. Pour moi. Ah merde. T'as pas de se faire effrayer par l'asticot là. On a quand même récupéré un objet qui est sharp. Ah, peut-être pour mettre dans la gueule des hiboux là. Dans le décor. Oh. Ok. Ah, je me suis fait un peu cramer là. Non? Je pense que je vais quitter et je vais revenir. Parce que le problème, c'est que si je l'enlève, la bibliothèque, il va me remarquer. Mais il était pas en train de dessiner sur son ventre, l'autre? J'ai l'impression. Celle-là, je la laisse. Et je vais retirer celle-là. Comme ça, elle est enfermée. Il faut que je récupère celle-là. Est-ce qu'elle peut tendre la main pour... Ouais.
Petite énigme. Bon, celle-là n'a pas l'air trop dure. En vrai. Du coup, là, la... Ah oui, on peut la prendre. Ah non. Ah si. Ah, ok. On peut se défendre avec ça. Attendez. Attendez, parce que le problème... Le problème, c'est qu'il faut arriver à l'échelle qui est là-bas. Est-ce qu'on est capable de le faire avancer jusqu'au fond? En vrai. J'en ai combien, là, des clés? J'en ai 3. Si je fais ça... Je pense qu'il faut le faire au fur et à mesure, non? Il repère la sélection? Ah ouais? C'est une question de bruit ou c'est une question de... C'est trop bizarre. Non, ils s'en foutent. Mais tout à l'heure, ils s'en foutaient pas, ouais. Non. Après, c'est est-ce que je peux aller dans son dos? C'est ça le problème. Je suis pas sûr. Si. Pas très compréhensible ça. Non, je crois pas qu'il y ait de choses intéressantes. Oula. Ah. Pour l'instant je peux aller qu'à la moitié. Allez hop, ça dégage. Les coups de fossile. Donc le marteau. Hop, troisième arme. Touk. Intéressant, non? Ok. Easy peasy. Celle-là était plutôt simple comme énigme, je trouve. En apparence, en tout cas. Est-ce qu'elle peut descendre quand même? Ou est-ce que c'est... Non, ça. Merde! Ah bah j'ai rien dit. Il m'a endormi? Ah, pas si simple! Pas si simple. Le problème, c'est que si j'ai retiré la clé derrière lui, il serait retourné. Ok, j'ai pas les derniers coups là, je sais pas trop. Je pense que j'étais sur la bonne piste, mais... Ah oui, mais j'ai pas besoin. Parce que, enfin, si j'en ai besoin, mais. Ok. Ça, on est ok.
Il me manquait une clé, je pense, tout simplement. Pour passer en hauteur au lieu de redescendre. Est-ce qu'il doit me rester 2 ou 3 ? Il y a 2. Ouais. Ok, ça devrait être bon. Simplement. Ouais. Voilà. Donc. T'as, par contre, faut recommencer directement l'énigme. Si jamais tu te fais choper. Ah. Pas besoin de. Enlever les racines de nouveau. Nice. Easy. Faut juste que j'aille choper. Ah non, je vais pas pouvoir. Il va m'attraper. Ça. Ah. Quoi? Fais choper les deux. Le problème, c'est qu'il va m'attraper, non? Enfin, si j'enlève ça, non? Ah, je peux pas. Si, je peux quand je suis dessus. De ce côté-là, oui. De ce côté-là, non. Ah, le problème, c'est que... Attends. What? Ah, ou je peux mettre une sphère à la place de la clé? Ah, je suis pas sûr. Parce que si je retire la clé du dessous, j'ai perdu en théorie. Ah, on peut le faire rapidement. Ah ok, d'accord. Je suis pas sûr. C'est ça qui est... Je me suis dit, attends, mais il va me choper. Non, ça va, il est long. C'est faisable. Là, il est coincé entre deux bibliothèques. Nice. Ok. Bah, moi, j'ai essayé. Parce que sinon. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il se gribouille un truc là. Ce gros dégueu là. Quelle est aussi la prochaine? Donc on peut. Okay, il ne reste plus que. Est-ce qu'on y va direct? Le soleil, c'est ça? Le solarium. On peut lui voler dans le dos, donc il calcule. Merde. C'est une pierre de feu. Zut. Ah.
Ah merde, je suis sorti, du coup ça remet tout. Non, j'ai gardé la pierre quand même. Ah, il la cherche. Ah, attendez. Il va faire quoi du coup? Il était en panique. Il va revenir en panique, je pense. Hein. Non? Ok, il va prendre notre pierre à la place, c'est ça? Non? Merde! Il va me choper. Il comprend pas. Est-ce qu'il va se brûler? Non, il va pas se brûler. Je sais pas s'il faut pas casser ses comptes, un truc comme ça. Pour ça, ça fait rien. J'ai pas encore eu le temps d'accéder à l'énigme là-haut là. Mais la musique est vraiment sympa, toute rigolote. Ok, il fait que des allers-retours maintenant. Tu veux la prendre ou pas? Oui. Je suis désolé que c'est au boulot. C'est impossible de focus avec cette owl around. Du coup, il est coincé. Bon, je suis le temps. Le jeu? Bah alors. Alors c'est pas ça. Vite. Alors. En tout cas, je peux avoir l'avant-dernière salle. En faisant ça. L'usine des enfants avec les Dreamcatcher. Alors, est-ce que ça va arrêter l'énergie de faire ça non, si j'arrive à être déconnecté? J'attendais direct. Alors, si je me planque là. J'ai retiré une valve, mais je sais pas pourquoi. Where is the valve? Est-ce que ça fout la merde pour lui? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, du coup, il est dans la merde!
Parce que pour faire son travail, il est obligé d'utiliser deux valves pour trois endroits. Oh là, c'est angoissant pour lui là. Ah, j'aurais dû la choper maintenant. Je vais attendre. Là, il est obligé de faire celle-là. Là, il la prend pas. Ok. Je vais attendre qu'il se déplace. Du coup. Voilà. Hop. Et là, je vais prendre la deuxième. Ça le rend fou. Mais là, il n'y arrivera pas, non? Ça fait quoi, du coup? Je pense qu'il n'a pas assez de valve. Ah, en plus, je peux utiliser une des valves ici. Ah oui, là, on a une fille diabolique. C'est génial. Je suis trop fan. Là, le hibou, il est mort. Il va mourir. Non! Non! Il a pas le temps. Là, j'accélère la cadence, je pense, non? Je l'éteins. Ah, c'est trop tard? Il galère? On va choper la dernière. Et là, il date si je chope la dernière. En même temps, c'est la survie, hein, Pneumonie. On casse tout, là. Ça a explosé? Oula. Ouais, est-ce que c'est bien leur énergie qui tire des rêves des enfants là? Boum! Wow! Wouh! Wow, on l'a cramé! On l'a éclaté! On l'a éclatax! Ah, par contre, ils ont disparu? Merde! Pendant qu'on regarde nos pieds. Ça va, je suis à 9 bonnes actions pour 9 mauvaises actions. L'équilibre parfait. J'arrive même pas à voir ce que tu m'as mis, Arthos, en... John Cuff. Ah, je connaissais pas ça. Ah, ça représente un de ces persos qui est mort dans Space Quest, c'est ça? Je serais à 18 à 0. Ouais, alors en fait, tu démarres quand même. Je sais plus. Tu démarres avec 6. 6 sins, ça c'est sûr. Je crois que tu démarres à 6 à 0. Ouais, c'est ça, c'est une des morts de Roger. Roger Wilco. Qui est une blague à Perry Rodan ou des trucs comme ça. C'est une blague des bouquins, vous savez, des années 70. Avec Perry Rodan là, qui a continué pendant longtemps. Ah, j'ai mon père qui les avait. T'as quand même une bonne. Quand on avait une bonne collection, je suis pas sûr qu'ils les aient gardés. C'est les histoires du même personnage et qui s'arrête jamais. T'as, je sais pas, par curiosité. Avec Tiel, je suis à 18-0. Oh merde! Attendez, je regardais mon téléphone! Dégueulasse, même pas le temps de regarder son téléphone. Attends, cette fois je vais pas me faire avoir, hein, je ressens. Perry Rodan, juste pour vous dire. Perry Rodan, c'est littéraire depuis 61. C'est fascicule hebdomadaire du. Ah, il y a combien de. Sans déconner, dans combien? La publication a atteint le 2900e volume. 2900 volumes, presque 3000, le 17 mars 2017. Et en janvier 2021, la série entame le 3100e volume. 3100e volume de la même série du même personnage, c'est pas génial ça? Essayez de battre ça, essayez de battre Perry Rodan. Je sais même pas c'est qui édite maintenant, parce que je crois que c'était... À un moment donné, c'était Fleuve... Je crois qu'il y a Fleuve Noir, à un moment donné. Est-ce que vous connaissez un personnage où il y a 3100 bouquins, c'est son nom écrit dessus?
Je sais pas. Différent. Et après c'est des arcs qui sont écrits par des auteurs différents. Il y a genre, je sais pas combien d'auteurs qui écrivent Pierre et Ronan. Et ils écrivent chacun un arc. Bon, par contre, je suis pas sûr que ce soit de la lecture de qualité. Ça va être de qualité discutable, je pense. Mais c'est de la SF Adventure, quoi. Oh merde! Il a l'air compliqué cet endroit là. Faut que j'avance vers. Vers la droite. Est-ce qu'il se passe un truc? Ah, je vais faire semblant d'être endormi, c'est ça? Est-ce qu'il active la machine? S'il voit qu'elle n'est pas activée. Je me demande. Ah, vite. Hop. Ah oui, il a remarqué que la machine ne marchait pas. Il a mis du temps. Ouais, je peux pas l'activer tant qu'il y a. Est-ce que je peux casser son truc là? Hey, elle danse dessus. Hey, elle danse pas dessus là. On a pas le temps. Pas le temps de niaiser. Ok, il faudrait accrocher un truc pour lui faire tomber dessus. Trente secondes de pause, 5 minutes de boulot. Pas mal, bonne moyenne. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a 5 ça, et je sais pas si j'oublie un truc. Je pense à la salle d'exposition là. Ah, il est cassé le caillou, pourquoi? Il était pas cassé au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a fait un truc. Ça a évolué. Ok. Ça a évolué. Ah, parce qu'on a augmenté l'énergie tout à l'heure. Du coup, ça a tout cassé. Ok. Ok. Prends le bâton. On va prendre le bâton. Bon, en tout cas, j'ai un des. Merde, vite. Ah, il a plus son bâton, attendez. Il a plus son bâton. Donc, je peux l'arnaquer. Présente qu'il aille faire ses calculs. Et hop, te baiser. Non? Ça va marcher? Ah bah non, on a plus d'énergie. Ah, attendez. Ah! Ça me dit quelque chose, ce symbole. Ah oui, là-bas, en bas. On a pu l'activer. Ok. Ah, j'ai pris sa clé. Il est énervé, il a fait. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans là? Je comprends pas. Oh le pauvre, regardez. Il est désespéré. Il peut plus faire son taf. On a rien à foutre. C'est quoi ça? Ah. D'accord. On aurait pu prendre la clé? D'ailleurs, attends. En fait, j'ai l'impression qu'on aurait pu diriger le laser sur lui et le cramer direct alors. Donc, finalement, on l'a pas cramé. Donc, finalement, on est humain. Je pense qu'on aurait pu le tuer. Autrement.
qu'on peut pas ajouter ça? Si. J'ai pas forcément compris. Trop de lumière? T'en as les trois endroits là d'Indiana Jones avec les trois pierres là. Mais je me demande s'il faut pas les. Attends, je vais juste sortir. S'il faut pas les trois pierres. C'est la première phase quand même où on peut être bloqué méchamment. Hop. Ah, je peux quand même le prendre le Dream. Ah. Du coup, je peux le poser. Ok, nice. Je peux le poser au-dessus de, du hibou. Ok, j'ai. J'ai. There we go. Ah, je sais pas si ça va le faire dormir. J'espère. Ok, là. Petite feinte là. Hop. T'as un peu, si tu vois le hibou au-dessus de toi qui te juge. Nice. Naughty girl. Je sais pas si c'est parce que c'est un nombre de fois où je l'ai arnaqué. Je crois que je lui ai fait tous les lits, c'est pour ça. Et alors, hop. Voilà, plus qu'à attendre. Ah, une petite scène. Je pense que ça va le faire dormir. Parce que c'est exprès. Récupérer son bâton. Ouais. Ok, c'est la nerf qui me manquait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Et paf, on tue dans son sommeil. Where are you going? À 16, ça a beaucoup augmenté. J'ai gagné. Attends, j'étais à 11. J'ai gagné 5? Non, j'étais. Ok. Alors, j'ai un Beans, je voulais équilibrer, mais j'y arrive pas là. Bon, par contre, on va plus s'asseoir. Ok, d'accord. Réseau. Du coup, on a la dernière lumière. Tu brûles rien, toi. What's the use? I still didn't manage to get out. Let's play a game. Who can find the exit the fastest? Sick of your games. Why didn't you find the exit before? Well, I had nobody to play with. Super. Ces mecs, comment ils se tapent la tête, hein. On me dit con, putain, quoi. Ouais, j'aime bien ça, son caractère, la fille. Un caractère bien tranquille. Alors. Hop. Du coup, là, avec l'énergie, on va pouvoir mettre plus d'énergie dedans.
Merde. Est-ce que là, il est à fond? Ouais. Ok. Ça a l'air d'être ça. Instead of spying on me, why don't you find an exit? I don't feel like living anymore. Watching you is interesting. Tu dessines un soleil sur le mid, non? C'est intéressant le système là des boules d'énergie. Je trouve ça très sympa. La chaise, c'est le président. Monsieur le président, c'est le bordel. Ouais. Alors. Un truc là. Je sais pas ce que c'est. Oh, on pourrait changer de disque. Intéressant. Ah merde! Est-ce que je vais te piéger? Merde. Oh merde, oh merde, merde, monsieur. Est-ce que j'ai te piéger dans mes sons? Ah, je vais me faire punir. J'ai voulu être calife à la place du calife. Wouah! Wouah! Le cauchemar! Ok. Pas ouf! Elle fait la gueule là, mon perso. Ah, faudrait que j'écoute la musique avant. Tout doux, 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 doux. Ta-na-na-na-na. Le premier, je pense, c'est avoir. Ok. Je vais essayer de le faire. Pas très confiant, mais... D'ailleurs, Pneumonie, c'est toujours là. Est-ce que ça te botte si on se fait un... Ce week-end, un petit marathon Ichio en loose day comme ça. Enfin, je vois pas les zombies parce qu'il avait une clé à donner. C'est le deuxième. Non. Ça, c'est le premier, je crois. Je suis pas sûr que c'est 1, 2. Par contre, le dernier. C'est celui-là. Donc ce serait 1. Deux. Ah non, raté. Deux tiens. Ok. Donc ce serait ça.
Après, je sais pas. C'est ça. Ah, je peux pas... Tiens. C'est vers le haut. Ok. Ça c'est fait. On peut le changer? I think I've seen something like that. Ok. C'est les symboles qu'on voit sur les côtés. Il n'y en a qu'un soleil. Il n'y en a qu'une tête d'abord. Il n'y en a qu'une feuille. En fait, il n'y en a qu'une feuille, il n'y en a qu'un carré, il n'y en a qu'un rond. Ça m'a l'air complètement safe avec la tête de mort. J'ai l'impression chaque fois que j'ai raté. Ouais, pas qu'une impression. Merde! Je viens tous les tester, mais ça va être affreux. Oh elle, la pauvre. Le PTSD là, des cauchemars. Quand même celui avec lequel il dort, l'autre hibou. C'est trop bizarre parce que il me montre le bouquin et il y a rien qui marche. This weasel managed to find a way to escape with his stupid job. En effet. Après il se déguisait en hibou donc. Par contre je pense que c'est 6. Comme ça. Il y a une salle où il y avait 6 plumes. Bon, franchement, c'est mon dernier test. Après, je sais pas. J'ai pratiquement tout essayé. Enfin, ouais, qu'il y ait des plumes sur sa chaise, mais je crois pas que c'est d'importance. Ah! C'est différent, non? Si? C'est différent, c'est pas différent. Ah, un nightmare. Chapitre 7. Du coup, je me tâte si je vais pas arrêter là.